We don't have to reduce too much here because the final crowns are much longer than the initial one. So on the posterior side, we're gonna do the singular preparation, the cervical the same way we did on the buccal side. Charles, can you yes. comment on the angles of the preparation? Should they be rounded or sharp? Yes, it's gonna be, because here we had a composite restoration, as you can see here, it went off during the preparation. That's why we should round the edge of the preparation to have a better impression and easier milling of the final crown with the machine, with the ceramic machine. Did you hear my question regarding the angles? Yes, it should be round. Should they be rounded? We're going to round them with a finishing burr. Palatal preparation. Rounding the edges of the preparation, the corners, and also finishing the palatal side. Okay, now we are done with the preparation. We have to push a little bit down the retraction cord on some places to have a better access for the camera. Now we're gonna go with Dr. Rahmi. With a digital camera. You're done with the preparation? Yes, we are done with the preparation. Okay. Why didn't you do a ceramic veneer on number 11 instead of doing a full crown? This is not a ceramic veneer, this is a full crown. Donc, quoi qu'il en soit, que ce soit la technique conventionnelle ou la technique 4-cam, la créativité reste toujours dans la créativité de la taille reste toujours dans les mains du dentiste. Donc le 4-cam, à partir de là, c'est le 4-cam que le 4-cam commence à travailler. L'appareil qu'on va utiliser, c'est le CEREC Omnicam, Scanner Omnicam, c'est le dernier né de la famille CEREC. Il est constitué donc d'un scanner, d'un ordinateur et d'un logiciel. C'est un chairside scanner. À la tête de ce scanner, il y a une source de lumière et juste à côté, il y a une caméra. Donc, elle va enregistrer toutes les zones qui vont être vues par la caméra et l'enregistrement ne doit pas prendre plus que 2 minutes. Voilà. Nous allons enregistrer le secteur. Est-ce qu'il y a une technique particulière à suivre en faisant le scanning? Je parle de point d'appui et du mouvement de la caméra. La tête du scanner ne doit pas être loin et distante de 0 à 15 mm au grand maximum. Il faut aller dans l'enregistrement d'une façon douce
et enregistré au moins deux dents de part et d'autre de la région Ascanée. Donc, il ne faut pas être rapide. L'enregistrement se fait par acquisition des données physiques et transformation de ces données physiques en données numériques qui vont être visibles instantanément sur. Habib, combien de temps ça devrait prendre pour scanner la dent? Deux minutes et demie au grand maximum. Il te reste 30 secondes. Donc je cherche à enregistrer toutes les données. Omnicam du Select System se base sur le video capture. Le Trios, par exemple, se base sur le image capture. Il reste encore à débattre. Voilà. J'ai entre les mains la différence entre ces deux systèmes. Toutes les données physiques qui ont été transformées en données numériques. Voilà, j'ai terminé le scanning. J'ai terminé le scanning de la dent concernée et de deux dents de part et d'autre. Je vais prendre maintenant l'arcade antagoniste et l'occlusion. Voilà. Comme vous remarquez sur l'écran, il y a une lecture et une reproduction virtuelle instantanée sur l'écran. La particularité de ce scanner et de tous les scanners, c'est que, surtout de ce scanner-là, c'est que s'il y a un défaut donné, on peut reprendre uniquement le défaut qui a été fait. S'il y a des questions, voilà. S'il y a des questions, nous sommes prêts à vous répondre. Je suis en train de prendre donc et d'enregistrer l'arcade antagoniste. Alors, vous entendez maintenant? Le logiciel. Habib, oui. Est-ce que tu as fini de scanner? J'ai scanné la dent taillée, j'ai scanné le maxillaire supérieur, je suis en train de scanner maintenant la mandibule, juste en regard de la dent taillée supérieure. Pour prendre l'occlusion encore. C'est un peu difficile de scanner l'arcade intérieure vu la langue, la position de la langue. Alors ça prend un peu du temps, plus que l'arcade supérieure. Bon, je vais scanner maintenant la face linguale. Voilà, je suis en train d'enregistrer l'occlusion maintenant.
L'enregistrement numérique a été fait pour l'arcade supérieure, l'arcade inférieure et l'occlusion. Si à un moment donné, un défaut quelconque apparaît à un endroit donné, on peut reprendre uniquement l'endroit qui n'a pas été pris comme il faut. Ça, c'est un grand avantage pour les empreintes optiques. Maintenant, après avoir le logiciel va nous guider dans la suite logique de la conception de la future couronne. Pour ceci, les données numériques qui se sont présentées maintenant devant nous à l'écran vont être analysées par l'ordinateur, par le logiciel, et à partir de là, nous allons faire le ditching numérique. Donc, il va le logiciel va reconnaître l'arcade supérieure seule, l'arcade inférieure seule, les deux parties de l'occlusion, et il va mettre l'ensemble en occlusion. Une fois ceci est fait, il va nous dire de passer, le logiciel va nous dire de passer à l'étape suivante qui va être le digital ditching. Donc, voilà. Donc, ça c'est l'arcade supérieure, ça c'est l'arcade inférieure, l'occlusion. Voilà. Il a mis l'ensemble en un seul bloc. Voilà. Nous allons maintenant poser ce qu'on a obtenu comme enregistrement à sa place dans le programme. Tout va être bien donc centré pour que le programme puisse reconnaître chaque dent à part. Une fois l'enregistrement donc numérique a été fait, nous allons commencer à faire le ditching de la dent et à désigner l'axe, le grand axe d'insertion de la dent. Voilà la centrale. Donc la limite est bien nette. Nous l'avons désignée. Et pour poser la couronne, pour créer virtuellement la couronne, il y a trois moyens. Soit qu'on prend une dent, une centrale de la bibliothèque virtuelle du programme, soit on fait une symétrie de la dent qui est juste à côté, soit qu'on fait une copie d'une dent après un WhatsApp ou bien après un... Donc voilà, nous sommes ici en train de faire une copie de la dent qui est juste adjacente de la centrale, qui est juste à côté, pour en faire la symétrie. Il y a toujours la possibilité de rectifier au cas où il y a une courbe qui a été mal choisie. Bien sûr, Habib, ce logiciel a besoin d'une courbe d'apprentissage. Habib. Oui, oui. Alors là, ce que vous essayez de faire, c'est de copier la 21. Oui, nous avons opté, puisque la 21 a été terminée, a une forme qui est... esthétiquement acceptable. Donc, on va faire la symétrie de la 21 sur la 11. Donc, une forme d'une couronne qui est tout à fait la symétrique de la 21 sur la 11. Et donc, ça, c'est le software qui vous le fait? Oui, ou bien vous levez la destinée? Oui, c'est à nous de choisir dans les paramètres du software ce qu'on désire avoir. Une fois le choix est fait, donc, c'est le software ou bien le logiciel qui va poser la couronne. Donc, voilà. Il va nous donner une symétrie parfaite de la 21. En même temps, il va nous donner la possibilité de modifier si on désire vraiment modifier. Donc, le logiciel n'est pas tellement rigide, il est souple et il est friendly user. Voilà notre centrale, la conception de la centrale est presque terminée. Donc, ça a pris quelques minutes.
Une fois qu'on trouve que la forme est bonne, virtuellement, parce que c'est là l'intérêt de la conception virtuelle, c'est de voir la dent avant d'être réalisée ou bien avant d'être coupée au milling machine. En fait, Habib, oui. Tu es en train de dessiner la dent. Nous sommes en train d'avoir une dent tout à fait symétrique de la 21 avec la possibilité de modifier si vraiment on désire modifier et faire quelques caractéristiques bien déterminées sur cette dent-là. Mais nous sommes en train de faire vraiment la symétrie de la dent de la 21. Comme il y a possibilité d'avoir d'autres choix, il y a la possibilité avec ce logiciel de jouer avec les paramètres en ce sens qu'on peut resserrer, on peut serrer autant qu'on désire les surfaces de contact, l'occlusion, on peut les garder à zéro, c'est-à-dire on peut augmenter le serrage de 5, 10, 20, 25 microns, comme on peut avoir un contact à zéro entre les deux dents. Si on désire avoir une dent très serrée ou bien qui s'incruste juste ce qu'il faut entre les deux dents. Oui. Oui, c'est bon. Vous remarquez ici virtuellement la dent est terminée. Nous sommes d'accord que cette dent est presque la symétrie de la 21. Et à partir de là, on va, donc, après avoir terminé la conception, nous allons donner l'ordre de l'ordinateur à faire le milling de la dent concernée. Et maintenant, la dent concernée qu'on va tailler, on a le choix de choisir plusieurs donc matériaux. Ici, le choix va pour le IMAX CAD, puisque les trois autres dents ont été faites par le IMAX CAD. Habib, on nous demande pour le choix de la teinte. Comment vous avez procédé pour le choix de la teinte? La teinte a été choisie selon la teinte des autres dents. Puisque les canines sont intactes et les autres dents sont intactes, donc quand on a opté pour faire le bloc des deux centrales et des deux latérales, nous avons trouvé que la teinte A1 était une teinte acceptable. Donc vous êtes basé sur le Vita Shade Guide? Sur quoi vous vous êtes basé pour choisir la teinte? Bon. Par la méthode classique du Vita Shade Guide? Oui, en fait, on s'est basé sur la teinte des dents naturelles. Mais une chose très importante, c'est que le choix du matériau dépend de plusieurs paramètres, en fait. Le choix du matériau dépend de la teinte désirée, de la teinte finale désirée, dépend de l'épaisseur du matériau utilisé, dépend de la teinte de la préparation qui a été faite, de sa forme, de biotype gingival, de l'occlusion. Donc, plusieurs paramètres entrent en jeu pour choisir d'une part le matériau et, à partir de là, choisir encore la teinte. C'est-à-dire, il y a pour le IMAX CAD, on sait très bien qu'il y a le HT, le LT, donc le low translucency, high translucency. Donc, quand la dent se trouve saturée, on va pour le LT, low translucency. Quand on a beaucoup de transparence, on va pour le LT, le HT qui est high translucency. Quand on a une dent qui est fortement décolorée à ce moment-là, comme l'a expliqué Dr Khoury, on va légèrement en sous-gingival du côté donc proximal et vestibulaire et on épaissit un tout petit peu la préparation et on choisit une teinte qui est beaucoup plus opaque. On peut aller vers le MO, medium opacity. Donc ça, c'est il y a un embarras de choix qui est très grand. Vous m'entendez? Oui, oui, on vous entend bien. Bon, nous avons donné déjà donné l'ordre au milling machine pour commencer, donc voilà le bloc qu'on a utilisé. C'est un IMAX CAD LT, low translucency, parce que les canines,
les prémolaires et même les dents inférieures ne présentent pas une translucidité très poussée. C'est un LT A1 A1, donc puisque la teinte est claire, c'est une teinte A1. On peut voir la milling machine. Et ce bloc est conçu pour, pour des unitaires. Voilà, c'est ça le milling machine. C'est le MCXL, chairside MCXL, donc, qui peut être mis juste à côté du dentiste, dans son cabinet, où, après avoir fait le design ou bien la conception de la couronne, il donne l'ordre à cette machine pour faire la couronne, pour tailler la couronne en vue de la poser. Quelle est la différence entre milling et drilling? Ce sont deux techniques de soustraction pour faire des pièces prothétiques. L'une est pour tailler, on va tailler tout le bloc pour avoir la pièce prothétique dans le milling, et dans le grinding, c'est tout un grand bloc où on peut tailler une partie de ce bloc-là pour faire apparaître la pièce prothétique. Vous remarquez qu'il nous reste encore 4 minutes 13 secondes pour terminer la taille de la couronne qui va sortir à l'état brut, c'est-à-dire à l'état pre-centered, qui a besoin d'une cristallisation pour être terminée et posée en bouche. Donc, un laps de temps qui est très court, qu'on ne pouvait pas faire avec la technique conventionnelle. Vous savez très bien qu'en technique conventionnelle, nous avons besoin de plusieurs étapes et de plusieurs séances pour terminer une couronne. Alors que ici, nous sommes juste à point de terminer cette couronne-là. Nous sommes en train de la tailler. Nous allons faire, puisque c'est une couronne IMAX-CAD, donc a besoin d'une cristallisation qui prendra une vingtaine de minutes, entre 20 et 30 minutes, pour être terminée et pour pouvoir la coller et la poser et la coller en bouche définitivement. Donc, en une seule séance, on peut tout terminer pour finir une couronne, chose qu'on ne pouvait pas faire avec la technique conventionnelle. Donc, tout ce qui est en bleu et en vert est acceptable. Tout ce qui dépasse ces couleurs-là, ça veut dire que c'est en excès qu'il faut éliminer par le logiciel avant de commencer le milling de la couronne, de la future couronne. Donc, donc vous remarquez ici la surface de contact qui est ici. Il n'y a pas de zone rouge, donc il n'y a pas de zone d'excès de surface de contact, ce qui facilite exactement. Et le design est terminé. Vous pouvez remarquer que très bien que l'axe d'insertion de la vis va dans la et avec la face et dans la face occlusale. Donc l'implant est dans une position. Voilà. Bien. Des petites rectifications peuvent être faites. Maintenant, le logiciel nous permet de faire ces petites rectifications. Et dès qu'on trouve que la conception a été donc bien faite, on peut dire OK au programme et on peut donner l'ordre à partir de là au milling machine pour commencer à tailler la dent. Ici, le produit utilisé, c'est le PMMA, polyméthylméthacrylate. Mais également, si on désire faire une couronne définitive, par exemple, genre énamique, au lieu de poser le bloc PMMA, on posera un bloc énamique de Vita qui va nous donner une couronne définitive faite à partir d'une céramique hybride. Bon, voilà. Le milling a commencé. Nous avons donné l'ordre au milling. Machine. Oui, nous sommes en train de tailler maintenant, de faire le milling machine de la dent provisoire qui va être posée sur la dent provisoire. Il nous faut encore autour de 8 minutes pour terminer la dent provisoire. Et en ce qui concerne la centrale qui a été donc taillée par le milling machine, cette couronne est en train de subir la cristallisation. Donc, on attend à ce qu'elle sorte du four pour pouvoir la coller en bouche.
Donc le milling machine de la dent provisoire a été terminé. Et voilà comment la couronne s'est sortie du milling machine. Vous voyez, ça c'est l'importance de miso structure conçu pour les couronnes sur implant. Donc vous pouvez voir qu'il y a un petit cylindre juste au niveau de la base de cette dent. Et ce petit cylindre va être collé sur la partie supérieure du tie base. Ce tie base donc va servir de connexion entre la base de la dent qui a été faite, ici qui a été taillée, et la tête de l'implant. Donc voilà le tie base dont vous étiez en train de parler. Puisqu'il y a une rainure ici, donc le mesostructure, la couronne qui a été faite, ne peut pas entrer que dans une seule direction. Donc on ne peut pas coller cette couronne à notre aise sur le tie adapt. Avant de la coller, je vais couper, je vais polir sur une réplique. Je suis en train de couper la dent provisoire. Je vais éliminer l'excès ici. Une fois ceci est fait, je vais coller cette provisoire. J'ai terminé d'enlever les excès de la provisoire. Et voilà comment... Voilà comment la dent va être collée. Donc, soi-disant, ça, c'est l'implant. C'est une réplique d'implant. Mais soi-disant, ça, c'est l'implant. Ça, c'est le tie base. Et ça, c'est la couronne provisoire qui a été faite. Donc, je vais coller la dent provisoire sur le tie base. Comme ça, la dent provisoire serait prête à être vissée sur l'implant. Voilà. Donc, je vais coller maintenant ces deux pièces ensemble. Le tie base servira de base pour la provisoire. Il peut servir également une base pour une couronne définitive du type céramique hybride telle que l'énamique. Le collage va être fait avec le Total Sem, qui est un self-etch, self-adhesive resin cement. Oui. Le collage est fait. Je vais compléter la prise du ciment résine avec la lumière, 40 secondes de chaque côté. Comme ça, je m'assure que le ciment résine total. Voilà. Et on va voir et apprécier, après ceci, la mise en place de provisoire et voir l'adaptation et l'intégration esthétique et fonctionnelle de cette couronne. Vous pouvez voir maintenant comment la provisoire s'est engagé avec le tie base. La vis est à l'intérieur. Je vais poser cette provisoire en bouche. Et je vais essayer de la fixer, de la visser plutôt. J'ai pas serré tellement pour apprécier les surfaces de contact et voir si les surfaces de contact sont bien. Voilà. Ça va, c'est bon, de même que ici, voilà. Donc, je peux dire que j'ai terminé. Il me faut une radio pour s'assurer que tout va très bien. Sakir on marouf. Sakir. Un papier bleu pour s'assurer de la bonne occlusion. Sakir. Tap, 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 tap. On peut apprécier la bonne occlusion de la prémolaire provisoire qui a été faite, l'occlusion est presque en norme occlusion avec les autres dents. Donc la précision du CAD-CAM est une précision qui arrive jusqu'à 25 microns, pas plus que ça. Et c'est ça l'avantage du CAD-CAM, on peut s'assurer que la précision est toujours assurée. De même que la fiabilité et la reproduction, c'est-à-dire le data qui existe dans le logiciel peut me reproduire une dizaine de couronnes provisoires de la même forme et de la même dimension. Donc, pour ce cas, j'ai terminé, j'ai posé la provisoire sur l'implant, je vais fermer le trou occlusal avec donc, du composite, et pour moi,
pour apprécier la bonne adaptation, je vais finir par une radio. Je suis en train de prendre une radio maintenant avec le RVG pour voir la bonne cooptation entre la base du tie base. Voilà la radio qu'on a pris. On peut voir clairement la bonne adaptation du tie base qui fait la base de la provisoire et qui est collée grâce au cylindre à l'intérieur, qui existe à l'intérieur donc du mesostructure. On peut voir la bonne adaptation de l'essayage lors de scan post et l'essayage de la provisoire. Merci beaucoup.